C'est le mieux qu'un débutant puisse faire. C'est plus qu'une simple salle d'escalade. C'est actuellement la base d'entraînement de l'équipe chinoise d'escalade de vitesse de la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Ces maîtres grimpeurs montreront leur talent lors des prochains Jeux asiatiques de Hangzhou, en concourant pour grimper d'ici jusqu'au sommet le plus rapidement possible. Une équipe de 8 hommes et femmes représentera la Chine en escalade de vitesse aux Jeux de Hangzhou, avec des concurrents supplémentaires dans les disciplines du bloc et de la difficulté. À la base d'entraînement, nous rencontrons Long Jinbo, qui vient de décrocher les premiers tickets d'escalade pour participer aux Jeux olympiques de Paris de l'année prochaine. Je reviens tout juste des championnats du monde en Suisse. Je suis donc encore en train d'adapter mon rythme. Pour l'instant, mon entraînement n'est pas très intense. Et je me répète que les Jeux asiatiques sont aussi une compétition normale. Comme la pression entraîne souvent des erreurs, je trouve ma paix intérieure pour y faire face. Concourant dans l'équipe féminine, Tony Jun a repris l'entraînement après une courte pause entre les compétitions. J'attends avec impatience les Jeux asiatiques de Hangzhou, car ils nous permettent de concourir sur notre terrain. Et je connais assez bien de nombreux grimpeurs, puisque nous nous sommes déjà affrontés. De son côté, l'entraîneur Zhong Qixin aide l'équipe à se préparer physiquement et mentalement. Nous avons choisi cet endroit comme base d'entraînement, car le climat et les conditions sont similaires à ceux de Shaoxing, où se trouve le stade. Et comme l'escalade sportive vient de faire ses débuts aux Jeux asiatiques en 2018, nous apprécions cette deuxième chance de concourir chez nous. Nous souhaitons vivement remporter des médailles pour notre patrie. La phase suivante de l'entraînement comprend le relais de vitesse pour les femmes et les hommes, qui est également une compétition très attendue. Des équipes de 3 personnes se relaient pour grimper et tenter d'atteindre le sommet en un minimum de temps.